Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Darksburg, un jeu multiplayer dans lequel on doit survivre avec son équipe dans un monde envahi par les zombies. Je suis aujourd'hui accompagné par Cathode. Hello. Par Seldel. Bonjour. D'ailleurs, passage, avant de passer au non-nommé, Seldel... Comme par hasard. Seldel, t'as bien une chaîne YouTube qui présente également des jeux indépendants. C'est ça, de l'actualité principalement pour voir un peu ce qui sort, ce qui arrive dans les prochaines semaines. Exactement, donc vraiment, allez regarder sa chaîne, le lien est dans la description, dans les commentaires épinglés. C'est une super chaîne avec plein de contenu si vous adorez le jeu indépendant. Donc allez y jeter un petit coup d'œil. Et il y a aussi un site, j'en profite, il y a aussi un site internet qui est super bien. Tout à fait, je vais mettre également le lien. Et en dernier, on a Xav CDB qui nous rejoint. Donc alors pour résumer rapidement le jeu, donc en gros on forme des équipes et on doit atteindre le bout du stage. Il y a trois modes. Il y a le mode coop où on est 4 contre le monde, hein, donc on a des boss qui nous attendent, des ennemis. On a le mode versus, on va dire, là où on fait deux équipes. Donc vous voyez que je suis avec Cathode contre Seldel, Exam, CDB. Là on va jouer les zombies et on va devoir essayer d'atteindre les pabots qui sont dans l'autre équipe. Et ouais. Pas beau. Ouais, c'est si. La moyenne est plus basse, hein, dans votre équipe avec Xav. Voilà. Dis donc. Moi je suis vivant, moi. Et il y a le dernier mode qui est le dernier vivant. En gros, là c'est chacun pour soi, tu nous as dit, Xav. Un truc du genre. Oui, c'est ça, c'est un mode où en fait c'est du multi aussi. Sauf qu'il n'y a pas d'équipe. C'est le dernier qui survit. Voilà. D'accord. Donc, alors, dans cette partie, on va tenter d'empêcher l'équipe de Seldel et de Xav d'atteindre le bout du monde. On va invoquer des zombies. On va contrôler les boss ennemis, ce qui est vraiment classe. Et vraiment, c'est vraiment tendu. Donc, on va voir. On va essayer de les arrêter. Donc, vous êtes prêts? Ouais. En avant. Et donc nous voici dans le monde, je contrôle le petit fantôme que vous voyez là, je ne peux apparaître que quand je suis hors de vue, mais je peux également invoquer des zombies, vous voyez, pour Cathode et les autres membres de mon équipe pour arrêter les zombies. C'est parti, et donc là je contrôle, je crois que j'ai le bûcheron ou quelque chose du genre, que ça grosse. Alors, tu dégages. Ah là je vois Xav, allez, c'est parti Xav. Ah. Alors les zombies ont beaucoup moins de vie que les héros, hein. Donc voyons, on se fait dégager. Ouais, heureusement, on se fait défoncer assez rapidement. Ouais, t'as pris cher. C'est en fait t'as pris le feu, je crois. Ah. Donc là, vous les voyez en train. Ouh là là, ouais. Oh, c'est génial. C'est qui a mis le feu? C'est toi, Cathode? Non, pas que je sache. D'accord. Et donc là, on est très mal parti. Je viens de remarquer que si on se cache, on regagne notre vie. Ouais. Alors, je vais me mettre là pour essayer de les surprendre. Comment ça? C'est quoi cet enfer? Ah, zut! Alors, on ne peut apparaître que quand on est dans une zone que les héros ne voient pas. Hein, il faut être dans l'ombre, en gros. Ce qui est la spécialité Xav, non? Ok. Moi, je dis rien, moi. Oh non, je t'ai raté, Xav, je suis trop vert. Oh, je t'ai raté avec mon gros harpon. Bah, t'es même mauve, hein. Voilà. Oh là là, j'ai lancé mon harpon, alors j'aurais pu le transpercer le cognet contre le mur, et là, je l'ai pas fait. Bon. Là, l'IA a pris le... Alors, je vais faire apparaître des zombies. Aïe, non! On fait apparaître des zombies, on les lance. Je vais. Au secours! Non, je suis directement dans le dur, moi. Je soigne, je leur donne un buff. Et je vais être la sorcière, le coup là. J'aime pas trop, elle est puissante, mais j'arrive pas à l'utiliser. Là. Ouais, comme un peu tous les autres. Je viens de comprendre que c'était une vanne, ok. Alors. Allez, je t'ai loupé, dis-donc. Ouais. On voit pas la différence entre les persos que vous maîtrisez et... Tu vas voir. Allez, prenez... Ah, on est déjà dans la mouise, en vrai. Ouais, wow, Seldel, t'as pris très très cher. Ah là, j'ai mis le feu au bon endroit. Tiens, Seldel, tiens. Là, tu l'as pris toi-même, Xav, tu l'as posé. Pris moi-même. Ah, nickel, bien joué. Ah, je suis vraiment fort. Spawn derrière une porte, c'est pas l'idée du siècle. Voilà. On est coincé derrière la porte. Oui. Tiens, je gratte, mais personne vient m'ouvrir. Avant que le bot le prenne, Seldel. Hop, je t'ai vu. Oh, j'ai quand même fait mon attaque. Oh purée, les gars ont vraiment pas de points de vie. Hein. Ah, par contre, j'ai gagné plein de. Alors, est-ce que je peux. Bah, nous non plus, on a pas tellement de points de vie là. J'invoque un max de zombies. Quel humour. Je me suis pris la cloche, purée. Allez-y, prenez le feu. Ah, j'ai pris le feu en plein, moi, alors là. Ah, dommage. C'est pour la démo, tu sais. Alors. Qu'est-ce que t'as dit, celle-là?
Tiens, Seldel. Je me suis pris la cloche, j'ai dit tu t'es pris cathode. Ouais, bah non, mais je le dis pas. Toi, t'es un homme mort. On découvre après. Ouais. Tiens, voilà un harpon. Oh, je l'ai mangé. Je l'ai planté. Hop. Là, je suis une grosse brochette. Ça fait mal, hein. Oui, et puis là, je suis dans le dur. Tiens, c'est ton tour. Ah, t'as de la chance avec ta cloche. Fais gaffe, j'ai mon ulti. Ok. Viens, viens. Alors là, je vais leur faire une petite surprise. Ah, zut. Ouais, j'ai échappé au cure-dent. Mais d'où? Ah, là, je vais avoir un problème. Je crois qu'on t'a eu, là. On a eu, ils vont le faire revivre, zut. Oh, ça, c'était beau, là. Le cure-dent direct en me levant. Super. Oh, quelle sale journée. Là, j'ai vu la grosse attaque qui fait du dégât était utilisée, donc je vais sortir toutes les vagues de zombies. Ah, mais c'est pareil, là. Non, le tonneau. Xav va remourir, tonneau explosif. Pourquoi je remourrais? Je vois pas du tout. Je vois un peu ta barre de vie qui est. Ok, alors. Le destin. Là, j'ai quoi? Oh, j'ai la sorcière, j'aime pas. Ah, j'ai. Là, le piaf. Je vais mourir avec elle. Voilà, c'est, je voulais juste celle d'elle. Oh, je l'ai eu. Ah, bah bravo, hein. Alors. L'amitié renarde. À chaque fois qu'on les tue, ils perdent un petit peu de leur maximum de vie et lorsqu'il ne leur reste qu'un quart de leur barre de vie, ils vont mourir. Donc, c'est pas une perte de. Ça va, Katon. Définitivement. Ouais, je me suis trompé de touche. Alors là, je vais avoir quoi? Je vais avoir le pêcheur. Ah oui, avec le filet et le harpon là. Bon harpon. 2 mètres. Ah. Ou un endroit où je peux réapparaître. Ici. Donc les niveaux, il y en a 4 actuellement dans la version qu'on a. C'est ça, 4? Il y en a 3 dont 1. Enfin, 4 dont 1 qui n'est pas. Je me suis fait one shot! C'est ça. Et les niveaux ne sont pas générés procéduralement également? Exactement. Alors est-ce que c'est que la preview ou à terme ce sera comme ça? Je pense que ça va rester comme ça. Je pense, ouais. Je pense que ça va pas changer cet aspect. Qui c'est qui m'a attiré là? Oh, je voulais fuir! Allez, je mets une armée. Dis donc! Oh là, il y a du monde. Où est-ce que je vais remettre d'autres? C'est du soin, celle d'elle? Ouais, vas-y, fais du soin. T'es là. Allez. Parce que je vois qu'il y a un autre pote qui est. Donc, Xav, qui est le nain, est un personnage qui principalement peut soigner. Oui. Abigail, c'est une nonne qui est très, très, très bourrine. Globalement, il y a un loup-garou qui est dirigé avec nous par l'intelligence artificielle qui est plutôt orientée de tank. Et il fait pas mal de dégâts sur un adversaire, là où Abigail fait beaucoup de dégâts sur beaucoup d'adversaires simultanément, mais pas forcément sur les gros. Et ensuite, le quatrième personnage, c'est Rose, qui est une archère, donc elle fait plutôt du combat à distance, et puis elle a une attaque spéciale qui lui permet de repousser les adversaires. Donc c'est plutôt utile pour faire de l'air à nos alliés lorsqu'ils sont vraiment entourés de zombies. Zombies qui reviennent à l'infini, hein, donc faut forcément progresser si on veut pas se retrouver bloqué. Voilà. Surtout que Dan et Katod se font un plaisir de renvoyer quand il en manque. Exactement. Et alors là, je suis déçu, j'aurais aimé avoir le gars avec les corbeaux parce que là, j'aurais pu faire pas mal. Moi, je l'ai. Je viens d'arroser Xav, mais ça sert à rien. Non, laisse-moi. Si, ça m'a complètement rendu flou, mais bon. Je suis flou de toi. Boum. Et mais vous avez récupéré votre max de vie, vous avez eu des gros soins de permanents qui sont... Non, on a juste été très bons. D'accord. Coucou. Faut leur faire croire. Allez Anne, bon, un coup de poêle dans la face. Ah, c'est la première fois que je l'ai celui-là et je savais pas quoi faire avec les compétences. Vous allez voir les zombies. Oh, moi j'ai trouvé pour une fois, c'est du temps de sortir pas trop mal. Bon. Oh, j'ai tout nettoyé. Ouais. Ah ouais, t'es passé au milieu de tout ça, c'était beau. C'est triste, il y en a, ils prennent du temps à faire ça. Ouais, c'est du boulot que vous détruisez comme ça. Mais c'est clair. Ah, c'est bien, j'ai dashé dans le feu, c'est une très très bonne option. Alors. Ok. Bon, on avance tranquillement, hein, sans aucun problème. Non, laisse-moi, non. Pourquoi t'as fait ça? Oh, j'ai vu des oiseaux m'attaquer. Ils sont tous passés à côté. Je pense qu'il faut qu'on avance. Ah ouais, clairement. Non, c'est pas la peine. Hein. Vous gérez bien comme ça. Je viens de me manger un pigeon. Allez, hop. Ah, vite. Ils font moins les malins que la partie hein, qu'on a testée avant, là. Ah ouais, mais là, vous avez de l'expérience. Hein. Attendez voir que ça soit notre tour et on va voir ce que...
Ouais, ouais, non, non, mais... Il suffit d'être bon, hein, tu sais, à un moment donné. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est le moment où il y a le boss, ça, j'avoue. Il y a du monde, quand même. Ah, le bon nettoyage, là. Ouais. Hop. Ah, j'ai quand même eu le temps de lancer mes corbeaux avant de mourir. Saleté. Je suis parti. Ah, le feu, il fait vraiment trop mal. Ouais, faut vraiment pas rester dedans. Je peux te mettre du soin temporaire si tu veux celle-là, non? Je suis déjà full. Ah, t'as déjà. Ok. Oh, le bot qui se précipite dans le feu. Non, ouais. Mais qui met du feu partout? C'est fou, ça. Alors, je vais sortir des zombies, là. Oh, du soin. Et je vais en mettre là, comme ça ils vont... Je me dépêche de prendre le truc avant que les bottes. Donc dans le jeu, il y a deux types de soins. Il y a les bandages qui nous donnent de la vie temporaire, donc qui sont sur des barres... On a la barre verte qui est notre vie classique, et la barre blanche qui est un bonus qui descend avec le temps. Et puis il y a des petits gobelets, alors je sais pas ce que c'est dedans, on dirait une soupe, qui eux nous remettent de la vie à travers le temps et qui surtout nous remettent la vie max un peu plus haute. Parce qu'à chaque fois qu'on est relevé après être mort, on a la vie max qui est descendue d'un tiers, je crois, à peu près. Ouais, un quart, je crois. Un quart. Donc ça devient difficile, on peut pas se faire relever à l'infini. Et entre dans les niveaux, à certains moments, on peut rappeler les personnages qui sont morts. Et moi, je me suis mis revivre derrière la barricade et du coup, je vous attends. Ah ouais, voilà, l'erreur. Tu peux la retraverser, Dan. Au secours. Ah bon ? Avec la compétence 3, je crois. Attends, on est trop loin. Ça permet de faire comme quand tu attends de spawner. Ah, vous avez pas réussi à me tuer, je reviens pas. Non, pourtant, j'étais court, mais je suis trop lent. Elle aime bien son perso, là. Tu sens qu'elle jubile. Non. Ok, alors, il faut quand même que ça... Ah, c'est alors là... Oh, ils m'ont tué à travers. Là, j'ai halluciné. J'en étais sûr. J'allais lancer ma grosse lance sur eux et... J'étais sûr que t'attendais juste derrière. Ah, mais j'hallucine. Moi, mes attaques de zone, elles traversent pas le... Oh, ouais, non, ouais, je suis vert. Je suis vert. Ah en plus, là j'étais bien placé pour vous transpercer tout ouais, ça. Mais en plus, parce que t'as dit tout à l'heure que t'attendais derrière une porte. Donc je pense que depuis tout à l'heure t'étais là en train de jubiler, de dire ah, quand ils vont l'ouvrir ça va être terrible. Coucou. Alors Varag est mort. Alors lui. Ah purée, je l'ai sauvé en restant dans le feu, ça c'est pas ouf. Je vous prends Rose, hein, je l'emprunte. Oh. Oh Dan, ce qui m'a mis. Hop. Ah, exam! Ah, j'ai exam! Aïe, non! Yes, victoire! Yeah. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que c'est qui crânait là? Regardez, vous faites moi les malins! Vous avez de la chance! Bravo, Dan! Ouais, moi j'avais exam dans mon équipe. Ouais, non, mais attends, c'est. Hey, t'es mort avant moi, non? Non, juste après. Ah, viré, zut! Je vais mourir à tes pieds. Oh là là, c'est beau hein, quand même. Oh, regardez mon score, magnifique. Oh, magnifique, ouais, c'est beau. 1444 dommages. Ouais. Effectivement. Toi, tout est précis. C'est beau. Et on a level up, nous, de notre côté. Oh, les takedowns! C'est marrant, vous level up. J'ai tué 4 personnes! Hey, mais vous moi, allez level up juste au moment où ça va être nous qui allons jouer les méchants. C'est bien ça. Ouais, mais nous, on va pas avoir le boost du level up. Hein, ouais. Ah bah oui. Ouais. Ah. Et du coup, ben, on est reparti. Ben, cette fois-ci, c'est nous les héros. Et on va taper les pas beaux. L'équipe des pas beaux. Ouais, les zéros. Allez. Allez. Alors, cette fois-ci, on est du côté des héros. Et Xav. Oula, d'accord, ça commence bien. Voilà, je me suis pris une explosion dans la tête. Xav et Seldel sont de l'autre côté. Alors, ouais. Ah mais non. Oh. Allez. Il se passe quoi là? Là, on s'est fait prendre tous les deux dans la... Ils ont bien placé, là. Je suis pas d'accord. Et alors, on est au passage dans une zone que l'on n'a jamais fait de notre côté. Ah mais d'accord, c'est maintenant que tu fais. Là, t'as des corbeaux qui t'attaquent, c'est étrange. Aïe. J'ai pris trop cher, là, c'est pas possible. Le suspense. ils sont déjà en train de galérer, très bien. Non. On est tellement habitués à jouer les zombies, maintenant. Ouais.
Alors, il y a un bandage là, Katad. Non, non, c'est un faux. Je prends. Ah, ah, là, il y a de l'invocation, non, non, peut-être pas. Oh. Ah. Oh, bon sang, pourquoi j'ai sauté là ? Est-ce qu'on saura un jour ? Oh, le PNJ qui... Non, j'ai à peine eu le temps de grappiner. Oh, ma Mivi. Alors ? T'as rien pour te soigner, Dan ? J'aimerais bien... Ah, il y a peut-être quelque chose... J'ai un bandage, là. Non, j'en ai trouvé un. Ah. D'accord. Bah, hésite pas, parce que il y en a qui en veulent à côté. Ouais, là, je vois, ouais, ouais. Alors, comment je peux passer ? Tiens, mon feu. Non, non, non ! C'est pas vrai ! Bye, Xav ! Reviens nous voir quand tu veux ! Ouais, 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 ouais. Hop. Ah mais t'es censé faire peur, hein. Alors non, c'est pas du tout où il faut aller, on est jamais venu dans cette map, là on vous en montre une nouvelle, donc on est en mode oui, découvrir. Oui, 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 comment ça commence direct à chercher des trucs. Non, non, mais c'est vrai. Oula, oula. Mais nous, non, on ne pas. Oh, un soin. Pourquoi des fois le temps de spawn est beaucoup plus long? Effectivement, ouh, j'ai remarqué. Oh, oh, oh. Non, non. Au secours! Ouais, merci. Alors, il faut que je me soigne du coup. Tac, tac, tac. Oh, Xav! Ah, t'as vu? Oh, il s'est... Non, 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 non! Alors là, t'as vu comment c'était beau cette action? Ouais, effectivement, là je te le donne. Là je te le donne, c'était magnifique. C'était magnifique. Oh là là. À ce point-là? Ah ouais, ah, il a pété un tonneau explosif quand je l'ai sauté dessus en fait. Il s'est tué. J'ai attendu en fait. C'est bien son style ça. Là j'ai trouvé. T'attends quoi là? Hein? J'ai trouvé un fil. J'attends ça! Ah non, t'as pas pété. Il a mis 10 ans à péter. Non, 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 non. Je suis parti en fait. Ah zut. Je sais pas ce que me donne le filtre que j'ai obtenu là. Je sais pas trop non plus. Mais par contre, je vais prendre le bandage. Hop. Ah, c'est pas encore un fil, c'est un. Il est pas si bien. Hein. Ils avancent trop vite là. Oh oh. Ah, et en fait, il faudrait qu'on donne un genre de code pour faire spawner tout en même temps, tu sais. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais, on pourrait. Allez, viens faire un bisou à papa. Comment je lui donne des coups? Mais c'est pas papa. Eh, tiens, mange ça. Une lumière sacrée. Elle a fait son ulti. Oh non. Rose, elle va pas bien. T'es où, Dan? Oh là là, non. Non. Bah, y'a un soin là, juste en bas. Comment ça, juste en bas? Mais je te parle pas à toi. Bah, c'est Rose qui l'a pris, je suis désolée. Ah, ok. Ah, en fait, la fiole me remet mon ultimate. Ah, mais c'est excellent. Ça, c'est pas bon, ça. Je la mets maintenant, tu vas me soigner un peu. Ah, là, y a des bandages dans le. Ah. Ici, derrière là, derrière le petit muret. Là, là, ah, là. Là, ouais. Non, non, laissez-moi tranquille là, qui m'a lancé un corbeau. Ça se fait pas. Aïe. Celle d'elle. Mon Némésis. ah, non, non. Voilà, bon. Il est un peu pimpé, tu l'as eu quand même. Il l'a eu, ouais. Oh, oh, ok. Le corbeau bon master. Sens. Et un corbeau master en moins. Tiens, passer dans mon feu. Ah, maintenant le problème, c'est la clé, elle est où? Ah, moi je vous dirai pas. Au fond du puits. Non. Mais non. J'arrête pas de. Elle est pas là. Mais ouais, tu en boucle, je suis trop mauvais, c'est incroyable. On doit aller. Non. Personne n'a la clé. Personne n'a. Je suis motivé. Oh non, la clé. Oh, c'est le truc tout bête. Allez, attends, l'autre cannonball, on peut faire autrement. Oh, ok, d'accord, ok. Par contre, il faut un boulet de canon. Est-ce qu'il y en a? Ouh, je vois que quelqu'un m'a visé. Dan, il faut qu'on trouve un boulet. Je l'ai. T'as trouvé que ça? Non, moi je suis juste le canon. Oh. Oh, oh, ok. Ouf. Ah, il y a un boulet là, d'accord. Hop. Je l'ai mis, mais ça l'a pas pété, ça a pas suffi. Ah, mais là, je vais pas y arriver. Au secours. Ah. Ah, je prends cher là. Puis quelqu'un me fait spawn des zombies, mais ils montent sous mon nez. Boum. Ça se fait pas ça. Ah, il faut les éliminer.
Ok. Oh là là. Oh la brute. On va t'éliminer la brute parce que... c'est dur. Zut. C'est bon. On l'a pété, on l'a pété. Ok. Non. Il est où? Tiens, t'es toute lente, t'as pris des corbeaux. Qui a osé? On ne saura jamais. C'est lui là-bas. Tiens. Voilà. Non. Oh, attention. Ah. Non, pas le feu, pas le feu, pas le feu. Bon, ça va, niveau vie, vous êtes pas mal. À bon sang. Enfin, pas mal pour nous. T'es morte? Oui. Enfin, je suis... Oh non. En face de l'être, non, mais tu... Voilà. Oh non. Ne meurs pas. Bah, ça a duré depuis trop longtemps, je me suis dit que j'allais vous laisser une chance. Ah. Voilà. Voilà, je me suis fait choper, merci. Bien joué. Oh purée, ça, là je sens que ça va mal tourner pour nous, là. Là, je... Non. Ah non. Non. Kiala Witch. Ah, je suis mort. Tiens. Tiens. Il voulait ma mort et c'est lui qui y est passé. Oh. Et on est peut-être allé un peu plus loin. Eh, on a plein d'XP. Ouais. Comment ça, un peu plus loin? C'est pas la même encore map. Encore 75 XP, j'ai un niveau. Bah oui, on... ah, t'as le niveau. Oh, moi je l'ai pas, il me manque 50. Non, zut. Bah 75. Alors, voyons voir ces petits stats. Alors. Ouais. Du coup, purée, je suis celui qui a le moins de kills. Enfin, c'est vrai que moi j'ai le tank. J'aurais dû prendre un DPS en fait, carrément. Celle d'elle, t'as fait le double de dégâts que moi, quasiment. Ouais, à la fin, j'avais le gars qui envoie des pieux qui sont gigantesques. Ah, mais il est trop ah, bien. Oui. Ouais, ouais. En fait, c'est ça, faut se retenir de bourré, ouais. Et j'ai maltraité Runolf dans les IA qui savait plus trop quoi faire face à moi. Ah. C'était assez efficace. Et bon, très bien. Bah voilà, très bien. Donc là, on vous a montré les deux côtés alors, du mode que l'on trouve le plus intéressant, je pense, dans le jeu. Partagez cette opinion. Ouais, ouais, surtout quand on gagne. Ouais. En fait, il y a une team qui gagne au moins là. Parce que quand on joue en coop, en solo, enfin en A4, c'est extrêmement difficile. Alors, on ne sait pas si nos personnages sont juste pas assez avancés, mais on ne gagne pas énormément d'expérience pour réussir à obtenir les bonus de puissance. Mm-hmm. Et du coup, le niveau, on l'a fait, y a un niveau, on a fait 4-5 fois pour voir un petit peu le port qu'on a vu la première des deux parties. Et on n'arrive pas à le finir. Alors, malgré l'expérience en tant que joueur qu'on gagne, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc on n'arrive pas à avoir de gagnant. Au moins en versus, il y a une team qui gagne. Et pour l'instant, en versus, c'est quand même tout le temps la team des fantômes qui finit par gagner. Ouais. On a les mêmes difficultés qu'en coop avec les fantômes en face. Ouais, il doit y avoir un petit équilibre à faire sur cela. Parce que ce soit en coop ou en coop versus, comme là, c'est toujours... Il n'y a jamais eu les héros qui ont gagné. On a dû faire une dizaine de parties. On en a fait 4 à 5. On dirait 8 parties plutôt. Et ça a toujours été les fantômes qui gagnent. Mmh. Et puis là, sur la dernière partie, les héros ont été vraiment ridicules en plus, donc c'est vraiment... Ça demanderait... Pardon, t'as dit quoi, là? Hein? Ah, c'était vous, pardon. Nous, attention. Ouais. Alors, à savoir qu'il y a quand même donc, l'expérience coop qui est plus standard, là où vous êtes 4 contre le monde, et là, vous n'avez pas d'autres joueurs qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Surtout, il n'y a pas de Xav qui est vraiment vicieux hein, sur les pièges et les préparations. Ah, tu l'as aimé, mon tonneau, hein, tu l'as aimé. Alors ça, je m'en rappellerai, ça. C'était... Le tonneau. Alors, j'étais halluciné, je me rapproche de lui, je le vois taper le tonneau, il se tourne vers le tonneau, boum. C'était beau. Et donc, oui, ne pas oublier que vous avez quand même la version... alors, je pense que celle-ci sera peut-être un petit peu moins jouée, parce que, bon, chacun pour soi. Je pense que si vous avez des amis, il vaut mieux faire le coop versus ou le coop pur. Mais personnellement, moi, j'ai trouvé le coop versus plus intéressant, parce que le gameplay change et... Et même si on n'est pas directement, on va dire, c'est pas comme les MOBA ou les jeux du genre, voilà, on est vraiment plus... on est en coop, mais on a quand même un petit peu plus de piquant, d'intérêt qui est généré par l'équipe adverse qui essaie de nous ralentir, voilà. Et puis tous les fantômes ont vraiment des capacités, ce qui est assez original, parce que finalement, ce sont des sortes de personnages en eux-mêmes. Mmh, exactement. Comme les héros, donc c'est quand même assez sympa qu'ils aient pensé à mettre quelques ennemis élites qu'on peut contrôler et qui ont tous leurs capacités qui sont assez uniques dans la façon d'être joués en plus. Exactement, et c'est exactement d'ailleurs au passage les mêmes qu'ils utilisent dans le monde lorsqu'on est en coop contre eux et qui sont contrôlés par l'intelligence artificielle. Donc tous les personnages, même les ennemis, on va dire les élites, hein, pas les basiques, ont bien tous quelque chose de spécial, ce qui... Voilà. Bon, par contre, ouais, il faut peut-être rééquilibrer un petit peu les deux équipes, parce que je me dis que ça serait peut-être plus simple si on était 4 en survivant, vu que je me dirais qu'on pourrait se faire revivre plus facilement, mais voilà.
En tout cas, voilà. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé. Je vous rappelle, regardez la chaîne ou le site de Celdel. Les liens sont dans les commentaires. N'hésitez pas à regarder sa vidéo s'il la publie. Je sais pas si tu vas en publier, hein, oui. Oui, je pense que je vais faire une petite vidéo sur le jeu aussi. Parfait. Donc, n'hésitez pas à regarder sa vidéo. Et nous, on vous dit à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye. Salut. Bye.